Voilà la tristesse. Voyez l'espacement des tables. Hein? Ouais. Il y a une table ici, il y a une table ici, il y aura une table là-bas et une table là. On n'a pas de problème de distanciation chez nous. C'est déjà distancé. Donc, pas moins de clients normalement. Moins parce que la demande sera moins forte. Oui. La distanciation est déjà prise chez nous. Hein, parce que ce matin, c'est ici, c'est tout l'état-major. Donc, voilà. On parlait de ce qu'on allait faire pour cette reprise. C'est encore des cartes de vœux qui reviennent ? Oh, bah, toujours. C'est toujours très très long. Mmh. Oh, il est bien celui-là. Non ? Alain Fontaine is geen sterrenchef, maar eigenaar van een typische Parijse bistro. Hier geen chichi. Surtout pas. Ils viennent pour le bruit. Ils viennent pour échanger avec la... Et c'est là où on va avoir un problème. C'est que l'Américain, il vient... L'Américain, ou on parle des Américains, ça peut être des Japonais ou autres. Ils viennent justement pour échanger avec la table voisine si c'est des Français. Et même si c'est des Australiens ou d'autres touristes, ils vont échanger leurs souvenirs de touristes. Mais... ils vont parler, voilà. Et les gens comme ça discutent de table en table. Alors, vous avez des gens aussi qui ne se sont pas vus. Mais qu'est-ce que tu fais là, comme c'est des anciens clients? Et on se met debout. Si vous voulez un bistrot, ce n'est pas une place assise et je ne bouge plus. Ça bouge. Normalement, à cette heure-là, c'est en pleine effervescence, quoi. L'équipe in het Drie Sterren restaurant van Guy Savoy telt 65 werknemers. Chef-koks, sous-chefs, pâtissiers, afwassers en obers. Technisch werkloos nu, maar na de heropstart bewaren ze best voldoende afstand. Là, il peut y avoir une personne qui travaille ici, 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 une personne qui travaille ici. Après, bon, vous venez voir parce qu'il y a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, quoi. Là aussi, on a des plans de travail, vous voyez. On peut être trois pour travailler là sur chaque poste, hein. L'âme d'un bistrot, c'est le partage et c'est le mélange social. Donc c'est pour ça que distanciation sociale ne me plaît pas du tout. C'est le mélange social. Là, vous avez par exemple un fonctionnaire de la ville de Paris. Là, vous avez un directeur général. Là, vous avez un publicitaire. Là, vous avez quelqu'un qui s'occupe du tourisme. Bref, tout est mélangé. Des gens se rencontrent. Il y a des histoires d'amitié, des histoires d'amour. Alain denkt dat 1 op de 5 bistro's en brasseries in Frankrijk deze coronacrisis niet zullen overleven. Het werk van generaties dreigt te verdwijnen, want een virus in een bistro kan je moeilijk buiten houden. C'est ma famille qui est là. Il y a 5 générations qui sont là. Des fois, je prends le tableau et je leur montre. Alors à chaque fois, ils touchent le tableau, on va... c'est pas possible. Ça vient juste d'arriver. Visiblement, on va avoir les masques avant les pharmaciens, ce qui est une voilà, c'est qu'on s'est bien débrouillé. On s'est bien débrouillé. Là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me proposer, j'ai cru que c'était une blague au départ, mais il avait l'air sérieux, une extraction, une ventilation pour chaque table. C'est-à-dire, vous imaginez, hein, au-dessus de chaque table, une sorte de ventilation pour aspirer l'air. Un truc incroyable, quoi. Et ça coûte cher. 160 euros par extraction. De Franse gastronomie met zijn verfijnde wijnen en exquise maaltijden lokt wereldwijd toeristen naar hier. Voor president Macron reden genoeg om Guy Savoy mee te betrekken in de plannen voor de heropstart van de horeca. Cette théorie du monde d'avant et du monde d'après, pour moi, ne m'intéresse pas. Moi, j'ai créé ce restaurant, c'est ma maison, avec mes principes. Les convives qui viennent ici, c'est pour trouver cette singularité. Je ne vais surtout rien changer. Quand vous êtes dans un restaurant gastronomique, vous payez pour que la table d'à côté soit pas collée à vous. Dans le sens inverse. Quand vous allez dans un bouchon lyonnais, quand vous allez dans un staminet, je connais Bruxelles, quand vous allez dans certains restaurants de Bruxelles, ce que vous recherchez, c'est cette chaleur humaine. Raté avec ça. On l'a pu. Restaurants, bistros et cafés zullen sowieso meer dan 11 weken inkomsten verliezen. Maar misschien nog gevaarlijker is dat hun klanten de weg niet meer zullen terugvinden. C'est très rare qu'ils me demandent de les opérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très rare. Donc ils viennent pour un moment de bonheur. Et c'est à nous de le faire. On voit la scène, on voit le, le,
le Louvre est juste derrière les arbres, là, c'est tout ça, bon, mais ça, c'est unique, quoi. Ça va pas changer. Post-corona, ça reste... Je pense que la Seine coulera toujours dans le même sens. Et le soleil se lèvera toujours du même côté.